film magnifique, très bien mal joué, avec énormément de talent, je trouve. Tordu à souhait, c'était splendide. Bien barré, mais marrant. Un peu comme une bande-annonce d'une heure ouais, trente. Ouais. Putain de bande-son, par contre, super bande-son. Ouais, super son, pareil. C'est un AWOC, mais c'est très bon. Un film très très sympa, mais assez perturbant. He toils in the shadows, in a world of make-believe, where the only reality... Alors, film complètement barré, très drôle, j'ai bien aimé l'idée du cinéma dans le cinéma, donc une fin surprenante, voilà. Ce film-là est une véritable claque. J'ai pas trop compris le fond de l'histoire, en fait, mais c'était bien. C'était drôle, mais j'ai pas compris la fin quand même. Je trouve qu'il y avait beaucoup de moustaches, c'était beaucoup de sexe, beaucoup de moustaches, c'était très drôle. Pour le moment, c'est le meilleur film de la soirée, en même temps, c'est que le premier. Interesting how that name keeps coming up. Editor. Horror, obsession, lust, and blood pour from the camera's unblinking eye. Une belle grosse parodie en fait des films de Dario Argento, des Giallo, tout ça, vraiment fun, vraiment marrant, du début jusqu'à la fin, et puis un final. Ah, vraiment assez classe. Il n'y avait pas assez d'hommes à poil. Oui, non, il faut des fesses. Voilà. Non, des fesses, il y en a, mais il faut des sexes d'hommes. Et parce qu'il y a des sexes de femmes. Et y a pas on veut des bites. C'était bien, les femmes à poil, c'était bien. La musique est bien. Le scénar, c'est zéro. Voilà. Mais au moins, on a bien rigolé. C'est bien ça.